Good morning, alle Yiden. L'étude sera aujourd'hui les Lunishmat Rachel Batsava, Rivka Batsava. Nous étudions Baba Metzia, Perek Gimel, Mishnah Aleph. On commence le Perek Gimel. Amavkid etzel chavero behema okelim, veniknevu o sheavadu. Shilem velo ratza lishavea, sharamru shomechinam nishba veyotse. Nimtza ganav meshalem tashlume kefel. Tavach omachar meshalem tashlume arba vachamisha. למי משלם? למי שהפיקדון אצלו. נשבע ולא רצה לשלם, נמצא הגנב, משלם תשלומי כפל. טבח ומאחר, משלם תשלומי ארבעה וחמישה. למי משלם? לבעל הפיקדון. On commence, on ouvre le grand sujet des שומרים, déjà depuis le פרק המפקיד, et on aura l'occasion ensuite de le reprendre dès le פרק. Je ne sais plus, Vav sûrement, ou je ne sais plus, un peu plus tard. On aura l'occasion amplement d'en reparler. Les lois des Shomrim, c'est un énorme sujet de Baba Metzia. Les lois des gardiens. On va commencer déjà à introduire une première notion. C'est-à-dire, il y a plusieurs niveaux de Shomrim dans la Torah. Il y a Shomer Chinam, Shomer Sachar, Shoel et Socher. Des niveaux de gardiens que selon les conditions, leurs fonctions, alors ils seront plus ou moins engagés dans le niveau de garde de l'objet. On ne va pas tout de suite les détailler parce que ce n'est pas nécessaire, on va se concentrer juste, par exemple, on va prendre le cas du Shomer Chinam. Il y a le Shomer Chinam, c'est une personne qui va vous garder votre bien sans, comme son nom l'indique, Chinam, gratuitement. C'est-à-dire, vous n'allez pas le payer pour. De ce fait, son devoir de garder l'objet, de surveiller l'objet sera qu'il devra uniquement le garder autant qu'il garde ses propres biens, rien de plus. Un animal, on l'enferme dans un enclos et c'est tout. On ne se soucie pas de rester à côté sans arrêt. À la différence du chômeur sahar, le chômeur, le gardien rémunéré, que lui, puisqu'il reçoit de l'argent pour surveiller, il doit monter la garde et dans ce cas-là, il sera plus engagé à rembourser dans certains cas d'imprévus. Concrètement, un chômeur chinam, il est chayav bepshia. Et patour bigneva vaveda. On retient cette donnée uniquement pour le moment. Shomer chinam chayav bepshia. Il est responsable, il devra rembourser lorsque si vous lui donnez votre animal à garder. Alors, s'il a fait une pshia, c'est qu'il a fait une faute, hein, il a manqué à le garder. D'accord, il a failli à son devoir. Alors, pshia chayav, il devra le rembourser. Par contre, si l'animal disparaît en Gneva Vaaveda. Gneva, c'est qu'il fait voler, il s'est fait voler par des voleurs en cachette. Donc, il a fermé la porte. Et ensuite, il est parti dans une autre pièce pour manger, se reposer. Et entre-temps, quelqu'un s'est introduit par la fenêtre et est venu lui voler l'objet. Ça s'appelle une Gneva. Alors, le Shomer Chinam, il n'est pas tour des Gneva. Il est dispensé, il ne devra pas rembourser la Gneva. D'accord ? Ça, c'était une introduction avant d'arriver à la Mishnah. Une autre introduction importante, c'est qu'est-ce qui se passe lorsque l'objet disparaît. Supposons donc que vous me donnez votre vache à garder, et donc je la laisse ici, le temps que je vais, peu importe, dans une autre pièce, me faire un café, et je reviens, et l'animal a été volé. Donc, Gneva, je suis patour. Mais de quelle manière je suis patour, dispensé de vous rembourser ? Alors, il faudra d'abord me faire jurer. Il faudra m'amener au Bedin et me faire jurer que j'ai pas fauté, que j'ai pas, manqué de vigilance. J'ai fermé les portes normalement. J'ai pas. Bon, il y a d'autres détails, on va pas rentrer dans tant de détails. Mais en tout cas, je devrai, en tout cas, jurer pour m'acquitter et attester le fait que j'ai. D'accord, montrer ma bonne volonté, ma bonne foi. Je devrais jurer. C'est ce qu'on appellera les Shvuat HaShomrim, les serments des Shomrim, des gardiens. Il doit jurer donc qu'il a bien surveillé l'objet. D'accord ? On retient ça grossièrement, bien sûr. Ça nous suffit pour le moment. Alors maintenant, notre Mishnah va nous parler d'un cas particulier de tout ça. Du cas où un gardien, en théorie, il devait jurer et se faire dispenser. Et il a voulu être fair play et en faire plus. Et plutôt que de jurer, ça ne lui disait pas de jurer, de mentionner le Shem Hashem, il y a Bémet quelque chose de très important, ne pas éviter de jurer même sur quelque chose qui est vrai. Donc il s'est dit, tu sais quoi, je préfère te rembourser l'animal, quitte à ne pas jurer.
Donc, il va vous donner le montant de l'animal, 1000 shekels. La Mishnah veut nous enseigner qu'à partir du moment où il paye l'animal, qui s'est fait voler donc, ou qui a été perdu, il acquiert désormais l'animal, devient lui-même propriétaire de l'animal, et de ce fait, si ensuite on attrape le voleur, on apprenait dans Baba Kama que le voleur doit payer le kefel, alors la Mishnah va nous enseigner qu'il devra payer le kefel, payer le double, au gardien qui a désormais acquis, qui est désormais lui-même le propriétaire de l'animal. On fait ça dans les mots, et puis après on apporte plusieurs précisions. Amafkid etzel chavero behema okelim. Celui qui met en gage, en garde, un objet, donc behema okelim, un animal ou des objets chez son ami. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? En dépôt. Il met en dépôt, excuse-moi, le mot m'échappait. Donc, quelqu'un qui met en dépôt chez son ami, à garder, à surveiller, behema okelim, un animal ou des ustensiles. Venignez-vous au chez Avdou. Et qu'ensuite ils se sont fait voler ou ils ont disparu. Shilem veloratza lishavea. Si ce gardien a voulu payer plutôt que de jurer. D'accord? Shilem il a payé, veloratza lishavea, il n'a pas voulu être nishba, je vois, il n'a pas voulu jurer. Pourquoi il aurait pu jurer pour faire quoi? La Mishnah nous explique. Shavea amru shomer chinam nishba veyotze. Car la halakha fixe qu'un shomer chinam, un gardien non rémunéré, nishba veyotse, il s'acquitte en jurant qu'il n'a pas fauté, qu'il n'a pas failli à son devoir de garder. Alors, mais celui-ci donc a préféré payer plutôt que de jurer. La Mishnah nous enseigne, nimtsa ganav, meshalem tashlom kefel, tavachumacha, meshalem tashlom arba vachamisha. Si ensuite on attrapera le ganav, le voleur de l'objet, de l'animal, il devra payer le kefel. Et s'il a même égorgé ou vendu l'animal, comme ce qu'on apprenait dans Baba Kama, Perek Zayin, alors Meshalem Tashlum Arba Vachamisha, il devra même payer 4 et 5 fois le montant de l'animal. Si c'est un mouton ou un taureau. L'Emi Meshalem, à qui devra payer dans ce cas-là? L'Emi Shapikadon Etzlo, au gardien qui avait cet animal en dépôt chez lui. Pourquoi? Parce qu'il l'a acquis, comme ce qu'on expliquait. Par le fait qu'il a acheté l'animal, qu'il a payé l'animal alors qu'il n'en était pas obligé. La fin de la Mishnah maintenant va nous dire, par contre, Nishba velo ratza l'eshalem. Par contre, c'est là où il va dire, non, la Torah me demande de jurer, je te jure que je n'ai pas fauté, maintenant, c'est tout, tu me laisses tranquille, je ne te dois pas d'argent. Donc Nishba, il a juré, velo ratza l'eshalem. Il n'a pas voulu payer en étant fair play. Nimtsa haganav, meshalem tashlum kefel. Si ensuite on attrapera le ganav, le fameux voleur, il devra de nouveau, bien sûr, payer le kefel, payer le double, tavachumachar, meshalem tashlom arba vachamisha, et payer 4 à 5 fois s'il a égorgé ou vendu. Mais attention, les mimeshalem, qui devra rembourser ce capital 4 à 5 fois, les baal, à picadon, au propriétaire de l'animal, pas les mish à picadon etzlo, celui chez qui le gage, le dépôt se trouvait, mais plutôt au propriétaire du picadon, du dépôt. Pourquoi? Parce qu'il reste sa propre propriété. On récapitule, on répète, et puis on apporte plusieurs précisions importantes. Vous me donnez votre animal à garder. Je suis un chomer chinam, un gardien gratuit. De ce fait, je dois le surveiller normalement, fermer les portes normalement, et ensuite j'ai le droit de partir me reposer, étudier dans une autre pièce, sans rester constamment en train de monter la garde autour de l'animal. C'est mon devoir, et de ce fait, si l'animal se fait ensuite voler, je suis patour, je ne vous dois rien. Je devrais uniquement vous jurer que je n'ai pas commis d'écart, j'ai pas manqué à ma mission de surveiller normalement. Ce qui se passe, c'est que je n'ai pas voulu jurer. Puisque je n'ai pas voulu jurer, j'ai préféré payer. Moi, prononcer le Shem Hashem pour économiser 1000 shekels, ça ne vaut pas le coup. J'ai trop peur de mentionner le Shem Hashem. Je suis un chassid, comme ça c'est rapporté dans le Mag, c'est les... Comme ça qu'il faut se conduire, mais maître, je n'ai pas voulu prononcer le Shem Hashem pour rien. J'ai préféré sortir 1000 shekels, te dire tiens, fais-moi plaisir, c'est pas grave, kapara ta vos notes. Et voilà. Ce qui se passe, c'est qu'après, au bout de 2 semaines, on attrape le fameux voleur. Donc il va devoir rembourser maintenant 2000 shekels. Ou encore, si c'est un taureau et qu'il a égorgé le taureau, il devra payer 4 fois le prix du taureau. Comme ce qu'on apprend dans Baba Kama. Alors la Mishnah nous dit, puisque moi j'ai payé, à partir du moment où j'ai payé,
je suis devenu moi-même propriétaire de cet animal, et c'est moi qui ensuite qui aura le droit de récupérer les knassot, les différentes amendes que le voleur payera du double, du 4 et 5 fois. Par contre, si j'ai voulu rester, selon mon dîne, selon ce que la halakha me fixe, de jurer de me dispenser, je ne vous d'accord. Donc j'ai juré, l'animal reste le vôtre, et si on attrape ensuite le voleur, il vous remboursera à vous-même les 4 et 5 fois le montant de l'animal. Ça, c'est la donnée de la Mishnah. Précision d'abord importante, comment fonctionne ce kinyan? Comment, en payant, j'acquiers l'animal? La Gemara débat, je rapporte juste une des deux conclusions de la Gemara. En réalité, on établit en fait que c'est un petit peu tacite. Concrètement, je vous explique quand même le problème un petit peu. Je ne peux pas vous vendre quelque chose qui ne m'appartient pas, bien évidemment, puisque ce n'est pas à moi. Je ne peux pas vous vendre non plus quelque chose qui ne m'appartient pas, avec l'intention qui vous appartiendra une fois que je l'aurai acquis. Supposons par exemple que je compte acheter le champ de Réhouven aujourd'hui, demain, et je dis, tu sais quoi, je te le vends tout de suite, et dès que je l'acquiers, il devient le tien, ça ne marche pas. Parce qu'on a une règle, en Adam Makne d'avoir chez l'Obala Olam, un homme ne peut pas vendre quelque chose qui n'est pas encore présent chez lui. D'accord ? Autre notion maintenant, c'est quelque chose qui m'appartient mais qui m'a été volé, que je ne domine plus. J'ai un bien qui m'appartient mais que je ne domine plus. Je me suis fait voler mon stylo. Mon stylo ne m'appartient pas. Pour le moment, il ne m'appartient pas. Il m'appartient. C'est moi le propriétaire attitré. Mais j'ai aucun moyen de l'exploiter, ce stylo. Je ne peux pas non plus vous le vendre. Pourquoi? Il est plus ce qu'on appelle birchuto, ou sheli velo birchuti. D'accord? Il est à moi, mais il n'est pas dans ma propriété. Je ne le domine pas, je ne le contrôle pas. Je ne peux pas vous le vendre. De ce fait, on a une difficulté ici. Comment le propriétaire de l'animal réussit à vendre l'animal pour que le gardien devienne lui-même propriétaire de l'animal en le payant? Il y a ici une anomalie à l'Afrique, c'est impossible à réaliser un tel kinyan. Je ne peux pas vous vendre quelque chose que je ne domine plus. Donc là, je ne peux pas acheter un animal que vous ne dominez plus. L'animal s'est fait voler, il n'est plus là, on ne domine plus, on ne sait plus où se trouve le voleur, vous ne pouvez pas me le vendre. Comment c'est possible que la Mishnah me dise qu'on réussit à le vendre malgré tout? Alors, la Gemara nous explique qu'en réalité, il y a un accord tacite. Depuis le moment où je reçois la Shmira, où je deviens le gardien, depuis ce moment-là, c'est inclus que s'il y aura ensuite un incident, que l'animal va disparaître et que j'accepterai de vous le rembourser, que depuis ce moment-là, il m'appartient, et on va s'arrêter là, on ne va pas rapporter trop de précision, mais en tout cas, il y a effectivement un maasé kinyan qui se réalise depuis quand? Depuis le moment où vous déposez votre bien chez moi. Je l'acquiers sous condition. Je reste pour le moment, ça reste votre animal, mais si toutefois il y a un imprévu et que je déciderai de le rembourser, alors vous acceptez depuis maintenant de me le vendre. Voilà d'abord le principe du kinyan. Ensuite, il y a maintenant, de ce fait, plusieurs précisions. J'ai introduit ça parce que ça va être la source de plusieurs halakhot un petit peu originales qui vont se dérouler. Tout d'abord, le premier halakha rapporté par le Barthénora. La Mishnah a pris le cas où j'avais un devoir de jurer et j'ai décidé de payer et j'ai payé. La Gemara va nous préciser que même si je n'ai pas encore payé, mais j'ai uniquement dit que je vais payer, désormais, j'acquiers déjà l'animal simplement par ma parole. Vous comprenez? Puisque finalement, le maasé kinyan, l'acte d'acquisition, ne se passe pas au moment où je donne l'argent. Puisque au moment où je donne l'argent, c'est pas le moment de faire le kinyan. L'animal n'est plus là. Donc depuis quand j'acquiers l'animal? Depuis le moment où il a été déposé chez moi. De ce fait, je réussis à acquérir l'animal même si je dis uniquement que je vais le rembourser et que je ne l'ai pas encore payé. Première notion. Deuxième notion encore plus que ça. La Mishnah a pris le cas de quelqu'un qui est fair-play, qui en fait plus que ce qu'il devait faire. En réalité, la Gemara explique que même s'il fait son devoir, il acquiert. Par exemple, supposons par exemple que le chômeur, le fameux gardien, c'est réellement, il a fauté, il a eu tort, il a failli à son devoir, il a manqué à son devoir de bien surveiller l'animal, et il a laissé la porte ouverte. Et lorsque vous l'attrapez, vous lui dites « Hey, où est mon animal ?» et il vous dit «
Hatati aviti pachati, je regrette, j'ai failli, j'ai laissé la porte ouverte, je suis dans la lune, je ne sais plus où me mettre, t'inquiète pas, je vais te rembourser. Il acquiert comme ça l'animal, même si c'est son devoir de payer. Pourquoi la Gemara explique ? Par le fait que le gardien aurait pu être malhonnête et commencer à vous embrouiller et à vous mentir, et qu'il a préféré être un homme de foi, de confiance, et de reconnaître son tort digne, de ce, par ce fait-là, par cette bonne conduite-là, vous acceptez de lui céder l'animal rétroactivement depuis le moment où il a acquis l'animal. D'accord ? L'idée est claire ? Bah, au Hachem, et ben on a fini la Mishnah, et puis maintenant on peut passer au Barthé Noir. Amafkid vechule velo ratza leishava. On avait vu qu'il n'avait pas voulu jurer. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a préféré ne pas jurer ? Quel serment aurait-il pu dire ? Shvoa tachomrim, les serments des gardiens. Shaya yachol lipater im nishba shelo pashaba vesholosh alach bayad. Parce que il aurait pu se faire dispenser de ce remboursement en jurant qu'il n'a pas failli à son devoir de garder vesholosh alach bayad, et qu'il n'a pas non plus utilisé l'objet. On en parlera plus tard, c'est le kach shlichut yad. On en parlera, je crois, dans le prochain Mishnayot. Ensuite, on avait vu dans la Reisha, dans la première partie de la Mishnah, qu'il devra payer, de ce fait, lorsqu'on attrapera le voleur, il devra rembourser à qui ? L'emi sha pikadon etzlo, à celui qui détenait, chez qui se trouvait le pikadon. La Barthénois nous explique, « Dekevan deshilem kanakol tashlumia » Parce que, étant donné qu'il a payé, Barthénois d'abord, il fonctionne, il explique les mots, puis après il va expliquer qu'en réalité c'est plus profond que ça. « Dekevan deshilem » étant donné qu'il a payé, « kanakol tashlumia » Il acquiert ainsi tous les remboursements potentiels, théoriques, que l'animal pourra lui rapporter quand il sera retrouvé. Même si concrètement il n'a pas encore payé, puisqu'il a dit devant le Bet Din, je reconnais mon tort, je vais le payer. Kana kol tashlomea. Ouais, le partenaire n'a pas pris le cas où il reconnaît son tort, mais ça vient en même. J'ai rajouté le 7e octobre. Je manque de précision, mais c'est bon, c'est l'idée est la même. Puisqu'il a dit devant le Bet Din, « Arayni Meshalem, j'accepte de payer. Kanakom Tashlomea, il devient désormais propriétaire de tous les frais, toutes les dividendes, les gains potentiels que l'animal pourrait lui rapporter. Loshna Tashlome Kefel, Loshna Tashlome Arba, Vachamisha. Aussi bien le Tashlome Kefel, donc le double que le voleur pourra lui rembourser. Ou encore même le tachloum arba avachamisha, de payer 4 à 5 fois le prix de l'animal, puisqu'il a accepté de payer, même s'il n'a pas concrètement payé, il sera lui-même propriétaire de. Il deviendra ainsi propriétaire de tous ses gains. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Rendez-vous demain. Kol Tov, c'est là.